Chapitre 4. La bibliothèque était la plus grande pièce de la maison et la plus poussiéreuse. Il y avait là une cheminée immense, carrelée, sans doute inutilisée depuis des années. Un tableau représentant des filles faisant la ronde dans une clairière. Holly savait de source sûre qu'elle n'était pas si sympathique que ça. Des escabeaux à roulettes, tout grinçant, et des sièges en velours défoncé, dont la boue recouvrait les coussins comme de la toile d'araignée. Les murs étaient tapissés d'étagères, toutes pleines à craquer de livres. D'après Olive, il aurait fallu une centaine d'années pour les lire tous. Il s'était précisément l'âge d'Annabel McMartin à sa mort. La plupart des ouvrages étaient très vieux. Ils étaient reliés de toile ou de cuir, leur enluminure dorée s'effaçait. Olive aimait lire, mais ces livres-là ne lui disaient rien. Ils avaient porté, par exemple, étude complète, complètement complète de la fascinante vie des limaces, la regrettable histoire de la margotte qui sortit sans pèlerine, ou encore, volatile en chemise, qu'Olive avait essayé de lire, espérant y découvrir trucs et astuces pour attraper des oiseaux et leur confectionner de petits costumes, mais la suite du titre, qui ne se tenait pas sur la couverture et n'apparaissait que sur la page de garde, était « Traité des méthodes modernes pour déplumer, farcir et cuisiner le gibier, comprenant 60 gravures exécutées à la main, des mets les plus raffinés, ainsi que des conseils à la ménagère. » Olive l'avait aussitôt rangé. La poussière lui chatouillait les narines. Si les MacMartin avaient oublié un livre de sort, un grimoire, avait dit le garçon, il serait logique de le trouver ici, parmi les autres livres. Le regard de Rutherford de Way s'était éclairé lorsqu'elle avait laissé échapper les mots fatidiques « Ma maison appartenait à des sorciers ». Et Olive était tout embarrassée. Pourquoi avoir dit cela? Pourquoi lui avoir dit quoi que ce soit d'ailleurs? Elle s'attrapa les cheveux à pleine main et les tira. Idiote! 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 Elle inspecta la pièce. Un livre précieux pouvait facilement être dissimulé parmi les milliers d'autres. Un livre plein de complots et sortilèges des MacMartin, là, au vu et au su de tous. Mais par où commencer? Il n'y avait pas de classement particulier, ni alphabétique, ni thématique, rien à voir avec une bibliothèque scolaire. Des traités sur des plantes inconnues côtoyaient des biographies de politiciens obscurs. De plus, les livres sur les tranches s'effaçaient. Il faudrait ouvrir des livres un par un pour s'assurer de leur contenu. Olive tira l'un des escabeaux roulant dans l'angle de droite. Perchée sur la dernière marche, en appui sur l'étagère, elle sortit le premier livre. Ses doigts se couvrirent de poussière. « Généalogie des stars de Russie », lut-elle. Elle l'ouvrit. Un individu affublé d'un chapeau qui ressemblait à un gâteau poilu la contemplait. Pas de sort dans celui-ci. Le livre suivant. Conte terrifiant pour petits, imprudent, était un peu plus intéressant. Mais ce n'était pas encore ça. Elle feuilleta en éternuant tous les livres de l'étagère. Elle s'occupait des progrès parfaitement,
remarquable de la filature canadienne, lorsqu'une voix l'interpella du pied de l'escabeau. Surprise, elle faillit se casser la figure. « Que fais-tu ?» demanda Orietto, tandis qu'elle reprenait tant bien que mal son équilibre. « Je regarde, » dit Olive. Orietto s'installa sur un tapis d'Orient. « Oui, j'imagine, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en général avec des yeux et un livre. Et cherches-tu quelque chose de précis ?»« Plus ou moins, » répondit-elle lentement. « Orietto, l'énigmata avait-il un grimoire ?»« Tu sais, un livre de sorts. » Orietto l'examina de ses prunelles émeraudes. « Pourquoi cette question ?»« Par curiosité, c'est tout. » Orietto cligna des yeux. « Olive, est-ce que tu essaies de me tuer ?»« Pardon ?»« Tu connais le proverbe. C'est la curiosité qui tue les chats. » Olive sentit peindre un sourire. « Orietto, ma parole, mais tu as fait une petite blague ?» Orietto haussa une épaule pudique et s'absorba dans la contemplation de ses pattes. « Bon, » reprit Olive, lançant un regard en coin à l'énorme chat orange. « Pour de vrai, il y a-t-il un grimoire quelque part ?» Orietto soupira. Il étira son long corps, dessinant une parenthèse rousse et dévêtueuse sur le tapis. Puis il étira soigneusement chaque patte, l'une après l'autre. Les os remis en place, il adopta la position du sphinx et reprit la parole. Il y en avait un, en effet. Même s'il était incomplet et ne donnait pas la pleine mesure de leur pouvoir, disons que certains types de magie ne s'apprennent pas dans les livres. De toute façon, je ne l'ai pas vu depuis au moins 70 ans. Aldou a dû le cacher, ou bien Annabelle l'a détruit. Quoi qu'il en soit, je doute fort que tu le retrouves. Évidemment. À présent, Olive brûlait d'autant plus de mettre la main dessus. Mais vous, les chats, vous étiez leur assistant. Je me disais que vous sauriez quelque chose sur ce livre. Précisément, nous étions leur assistant. Nous avons été en froid avec les MacMartin bien avant la disparition du livre. Aldou pouvait nous forcer à obéir, mais il ne nous faisait plus confiance. Orietto se détourna, jouant avec une tache de soleil sur le tapis. Et maintenant, je te conseille d'en remettre une ancienne sagesse proverbiale. Il ne faut pas réveiller les chats qui dorment, l'eau qui dort, corrigea Olive. Orietto, déjà en position de sieste, l'ignora. Bien grippé à l'escabeau, Olive roula jusqu'à la prochaine étagère et sortit les deux livres suivants. Hullabaloo, c'est fou. Et « Mais que faire d'Ordance ?» Elle s'écroula sur les marches. Les rayonnages étaient pleins à craquer, du sol au plafond. Même si les titres avaient été lisibles, les MacMartin auraient sans aucun doute caché le livre des sorts dans une autre couverture. Olive elle-même avait constaté qu'un roman policier de poche tenait parfaitement dans son livre de maths. Elle avait mis un quart d'heure à examiner une planche de la bibliothèque. Sur les petits murs, il y avait 4 sur les 6 répartis entre les deux fenêtres, la cheminée et le tableau. Chaque étagère comptait 9 planches. Si elle additionnait puis multipliait le nombre total d'étagères par le nombre de minutes passées sur la première, les chiffres se percutaient dans son esprit comme des rugbyman aveugles. Ça prendrait une éternité.
Elle prit le livre suivant. Inhala un nuage de poussière et éternua jusqu'à voir des étoiles. « Ce qui est bien chez toi, » murmura Horatio, « c'est que tu ne baisses jamais les bras. » Olive se frotta le nez et se remit à l'œuvre. Le soleil dessinait des traînées couleur poire sur le sol lorsque M. Dunwoody entra, sifflotant joyeusement la chenille. La chenille était la chanson de M. et Mme Dunwoody. Ils avaient dansé dessus à leur mariage. D'ailleurs, c'est sans doute à ce moment-là que la photo sur le bureau de M. Dunwoody avait été prise. Alec et Alice, plus jeunes, se souriaient sur une toute petite piste de danse. Les éclairages romantiques se réfléchissaient sur leurs grosses lunettes. M. Dunwoody portait des lentilles maintenant. Monsieur Dunwoody s'installa à son bureau. Horatio fila immédiatement. « Je crois qu'il ne m'aime pas, » dit-il. « Disons plus qu'il est réservé, » dit Olive, perchée comme une petite araignée studieuse dans un coin. Monsieur Dunwoody leva les yeux surprise. « Oh, Olive, coucou, je ne savais pas que tu étais là. À qui parlais-tu alors ?» Il examina le plafond. Bonne question. Olive souffla sur ses doigts pleins de poussière. « Papa, combien de livres y a-t-il ici à ton avis ?»« Une estimation approximative. 20 étagères comptant chacune 9 planches, 45 livres par planche en moyenne. 8100 plus ou moins. » Olive pianota silencieusement sur les tranches fatiguées des livres. Si quelqu'un mettait 30 secondes à feuilleter chaque livre, combien de temps faudra-t-il en tout? Monsieur Dunwoody se carra joyeusement dans son fauteuil. 30 secondes par livre. Cela fait 243 000 secondes, soit 4050 minutes, soit 67,5 heures. C'est bien ce que je me disais, c'est long. Tout est relatif, le temps lui-même. Olive, pour qui cette rengaine était aussi inhabituelle que le conseil d'hygiène dentaire, acquiesça sagement. Et si, maintenant, dans le fuseau horaire du vrai monde, tu crois que c'est bientôt l'heure de dîner? Monsieur Dunwoody eut mal l'air. Un croix se fumait en provenance de la cuisine? Oui. Tant mieux. Olive descendit péniblement de l'escabeau, se sentant vexée par plusieurs raisons. Ses recherches ne donnaient rien. Pire encore, sa propre voix résonnait encore à ses oreilles. Elle avait dit « Ma maison appartenait à des sorcières. » Un à un parfait inconnu. Elle en rougissait de rage. Pourquoi, mais pourquoi lui avait-elle confié son plus grand secret? Papa, s'acquit Olive, comme il se dirigeait vers les lasagnes délicieusement parfumées. Si tu révélais un secret à quelqu'un, serais sûr qu'il le garde. Que ferais-tu? C'est délicat. Les gens sont si imprévisibles. Mais je dirais qu'il faudrait rééquilibrer l'équation. Comment ça? Demanda Olive, qui imaginait deux chiffres sur une bascule. Si, de ton côté, tu disposes d'une information que cette personne juge confidentielle, la probabilité qu'il ou elle révèle ton secret sera plus faible, de peur que tu ne dévoiles le sien. Genre comme du chantage, dit Olive en tirant sa chaise. Plutôt comme la troisième loi de Newton, chaque action a une réaction opposée et équivalente.
J'ai déjà réaligné les sets de table, chérie, précisa Madame Dunwoody en apportant une lasagne. Oui, ma douce, mais tu sais que je pense des parallèles. Que leur identité découle de la perfection, compléta-t-elle en souriant. Et c'est ce que tu m'inspires, toi aussi, dit Monsieur Dunwoody en lui embrassant la main. Olive soupira et enfouit le nez dans son assiette.